Ah, regardez, même Wisebot il est d'accord. Du coup, commençons tranquillou. Et bonsoir à tous, bienvenue sur le Bakai Live, le live où on fait du Nier. Et pas du Nio, hein, du Nier. Ou Nier, comme vous voulez, tant que c'est du Automata derrière. Nous en sommes à la partie B, ça veut dire qu'on a fini la partie A. Et qu'on se dirige vers la seconde fin, même si je sais pas si ce sera la B, la C, la D, la E, la W, la Z. En tout cas, on s'y dirige et on y va bien. Tranquilo. Nous en sommes à la partie où on va aller affronter le Léviathan. Ce qui veut dire qu'à un moment du combat, notre ami Emile va s'éloigner. Enfin, 9S, c'est pas Emile. Va s'éloigner pour. Pour aller diriger les missiles balistiques. Et donc nous allons découvrir une autre partie de l'histoire où 9S va faire des choses que nous n'avions pas vues lors de notre première run, vu que à ce moment là en théorie nous sommes en train de combattre le gros monstre tout seul. ミサイルを発見。あれを守ればいいのか。さっさと倒してお風呂に入りましょう。2Bアンドロイドは風呂に入る必要はない。定期的な部品洗浄メンテナンスさえあれば問題ないはず。もう2Bは気分ですよ、気分。 昨日涙ですね。エミールさん。お待たせしました。まだ伝えてすらいないのに。エミールさん、大丈夫ですか。今思い出しました。僕は。え？ありがとうございます。おかげで大事な場所を思い出すことができました。大事な場所？はい。それは彼にとって とても大事な場所。お礼に案内します。この鍵を使ってください。これはショッピングモールにあるエレベーターの鍵です。後でこの場所に来てください。すみません。先に向かってください。僕は。 Bon bah finalement on va pas faire le reste de l'histoire, on va aller au centre commercial parce qu'en fait je suis beaucoup plus intrigué par ce qui pourrait se passer là-bas que par ce qui pourrait se passer quand 9S y tue le monsieur. C'est pas vrai que je suis plus intrigué en fait, le truc c'est que j'ai peur de perdre l'occasion de le faire après. Donc je préfère aller de l'avant en reculant un petit peu. La logique tordue du Bakai Live, hein, comme toujours. De toute façon, c'est pas à mon âge que je vais changer.
Ça aurait été marrant de choper de l'eau pure dans les égouts. Ouais, c'est ça, tirer dessus. Ouais. Ça vient de sonner. Je reviens. Devait pas être pour moi. Encore un connard qui sonne n'importe où. Ça valait le coup qu'il m'envoie un message pour me dire qu'il faut que j'aille à sa boutique alors qu'on vient de se voir il y a 5 minutes. Enfin, on ira à sa boutique juste après. さんから渡された鍵はここのものですよね。 Bon, alors déjà un petit défaut du jeu, tous les ascenseurs sont identiques. Alors je sais pas si vous êtes déjà monté dans une cabine d'ascenseur, mais il y en a rarement deux pareils. この場所は来てくれてありがとうございます。エミール、ここは僕がどうしても守りたかった大切な思い出の場所です。いえ、正確には僕だった人なのですが、よくわからないな。 詳しく教えてくれますか？僕はもともとは大昔に兵器として作られました。ありとあらゆる環境に適応し、殲滅するための兵器の一部として。兵器だったのか。エイリアンとの戦いが始まった時、僕は
自己増殖による兵力増強を行いました。自己増殖。はい。僕は複製された無数のエミールのうちの一人です。僕たちはお互いに協力し合うことでなんとか防衛線を維持していました。しかしそうやって何百何千とコピーされていくうちに僕たちの記憶は薄まっていったのです。ここはもともとのオリジナルのエミールが好きだった場所。ずっと昔大好きな人たちと一緒に過ごした場所。辛いことも悲しいこともたくさんあったけれど。C'était une musique du premier Nier. Et donc, en fait, cet endroit est un souvenir de ça. あの旅の記憶は本当に宝物だったんです。僕の記憶の中にもかすかな名残として残っています。そのオリジナルってのはどこに？わかりません。僕らはそのあまりにも数が多くなってしまったので。そうなんだ。そして僕たちには決着しなければいけないことがある。涙は願いが叶う花だと言われているんですよ。La larme lunaire. 僕の方こそありがとうございます。C'est aussi par là que commence le premier Nier. 大切なものを思い出すことができました。この思い出があれば、僕は一人でも頑張れます。Ça sur Twitter tout à l'heure. Au cas de... Je me rappelle plus s'il y avait un ascenseur. Ah si, il y en a dans la forêt. Juste voir si je peux ouvrir tous les anciens... tous les lieux de mémoire, on va appeler ça. Je sais pas si c'est vraiment le mot, mais...
C'est vers la cascade, si je me rappelle bien. Et la cascade, elle est... Il y a un PNJ au milieu là. Ok, non, on n'a pas encore accès à tout. Oh putain, tant de souvenirs les gars. Je pourrais vous passer des heures de musique de Nier toute la journée. Je pense que ça me saoulerait pas quoi. Du coup, la mission a été un succès et maintenant nous passons à la quête principale, comme promis en début de live. Mais je regrette pas une seconde d'avoir perdu 20 minutes, quoi. Parce que c'est pas vraiment perdre 20 minutes, c'est profiter pendant 20 minutes de l'histoire. Et du coup, on découvre le lien entre Nier 1 et Nier 2, et on voit que ça se passe encore après la destruction de la Terre la première fois. Du coup, la première fois que la Terre a été détruite, c'était à faute d'un dragon qui avait répandu une un virus. Les êtres humains avaient quasiment disparu, remplacés par des... Appelez ça... des réceptacles temporaires qui devaient réhabiliter la planète en attendant que les âmes réintègrent ce monde. C'est un raccourci que je fais, hein. C'est pas... On en a même profité pour gagner un petit level des familles. Je tiens à remercier ma propre famille qui ne me soutient pas dans mon projet. Il faut dire que je leur ai dit que je voulais détruire l'humanité et je crois qu'ils m'ont pris au premier sens du terme.
れでこの辺りの機械生命体はおおむね排除できましたね。トゥビ、9S。司令官？緊急指令だ。君たちも知っての通り、我々が保有する空母が補給のために寄港予定だ。しかし、その空母が機械生命体たちの攻撃を受け、交戦状態に入っている。すでに廃墟都市方面に駐留中の全ヨルハ部隊に連絡をしているが、君たちにも援護に参加してほしい。マップデータ及び飛行ユニットを転送する。以上。司令官って本当に人使いが荒いですよね。そういうことができる人じゃないとリーダーは務まらない。なるほど。En même temps, c'est pas vrai. Ce serait toujours le chef, sauf qu'il donnerait pas d'ordre. Putain, ils sont niveau 61. Ramenez ceux que j'ai pas tués, s'il vous plaît. Oui, c'était tout facile à battre. Parce que c'est sous l'eau. Nani, allez.
攻撃で接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。オペレーター 2-1 より 9S へ通達。衛星レーザーの直接攻撃を敢行することが決定。照準を安定させるため敵の EMP 発生機を破壊してください。 EMP 発生機って。具体的な座標をマップデータとして転送します。 EMP 発生機の位置を確認。マップにマーク。推奨 EMP 発生機の速やかな破壊。Moi je dis que quand on sait pas grand chose et ben on dit rien, c'est toujours mieux. Je comprends pas l'idée de laisser ça niveau 20. Et ouais, parce que en fait, des réflecteurs IEP, il en a 150. ここには沿岸防衛用の迎撃砲が敷設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。僕が照準をアシストします。敵が分厚すぎてこの砲弾じゃ。トゥビ、敵の内部に直接攻撃をするんです。直接。そうか。そうです。奴の口の中に砲弾を打ち込んでやってください。Attends, mais je comprends pas, normalement il y a toute une partie où t'es tout seul et lui il y va... C'est avant. D'accord, ils ont fait sauter cette partie. Ou alors c'est maintenant. Et du coup lui il fait quoi pendant ce temps là? Il continue à tirer au canon?
non, c'est vrai, c'est là. Oh oui, je vais tirer des gros missiles. J'ai la bouche, faut que j'ai quoi là? D'accord, c'était la bouche, c'est bon. I win! Ça aurait pu être sympa s'il y avait eu un peu plus d'esquive pour le missile. Pourquoi précisément eux? Sonoko a
傷つけてばかりいました。その子はいい子になろうと頑張りました。でもその子はうまくいい子にはなれませんでした。その子はいらない子だと言われました。その子は深い海に捨てられました。深い海の中でその子は叫びます。お母さん、お母さん、お母さん、お母さん。その子の声がお母さんに届くことはありませんでした。D'accord. Mais c'est un petit peu une plaie aussi pour les autres robots. Toki wa bot 04 ni 2B 専属の随行支援ユニット。当機はポット153、 9S 専属の随行支援ユニット。我々は同じ戦闘に参加することが多い。状況データの共有をすることでより効率的な作戦展開が可能と推測提案。定期的な情報交換をポット042とポット153で行うこと。賛成。提案の内容を妥当だと判断、次の状況交換までに記録調整を行っておく。Et on faire des échanges de données. C'est vachement érotique, je trouve. Je me retrouve dans un espace de stockage étrange qui s'étend à perte de vue. C'est un vrai dédale, un labyrinthe, un gigantesque réseau interconnecté. Je n'ai jamais vu de pareil, ce sont sûrement des machines qui l'ont créé. Mais alors, qu'est-ce que je fais ici? Je m'appelle 9S, c'est tout ce que je me souviens. Des pans entiers de ma mémoire ont dû être détruits. Si j'oubliais tous mes souvenirs, ma propre conscience m'a... Ok, du calme. Allez, on se détend. Il suffit de suivre la procédure d'urgence, de lancer le programme de restauration de la mémoire. Le programme commence à combler les trous béants dans ma mémoire. Les souvenirs reviennent, comme des lettres venant compléter un mot. La base, le plan de Toubi, une machine colossale, un missile de la dernière chance. Le mode de préservation s'est enclenché au moment de l'impact. La plupart des sécurités du réseau n'y ont pas résisté. Il aura fallu un certain temps, mais le programme a fini par restaurer la plupart de mes fonctions mémorielles. Pourtant, je n'arrive toujours pas à rétablir le lien avec mon corps. Bon, j'imagine qu'il ne me reste plus qu'à explorer les lieux. Les machines semblent avoir rassemblé beaucoup d'informations ici. À première vue, tout semble aussi hétéroclite qu'aléatoire. Mais en y regardant de plus près, j'ai fini par comprendre. Tout est lié. Il y a par exemple des données sur l'histoire et la philosophie humaine. Mais le plus bizarre, ce sont les archives des machines conservées à côté. Dans la catégorie politique, on trouve des propres tentatives des machines dans la matière. Elles ont à peu près tout essayé, monarchie absolue, république, démocratie. Et ce n'est pas tout, elles ont aussi illustré dans d'autres domaines académiques, philosophie, mathématiques, sciences, critiques sociales. On dirait que le réseau a cherché à imiter tous les comportements humains, à adopter toutes les disciplines, comme s'il voulait devenir humain. Je m'enfonce toujours plus loin dans les archives. Si les machines ont inventé de nouvelles cultures ou valeurs, je m'en trouve aucune trace. Elles ne font qu'imiter l'humanité. Le plus étonnant, c'est qu'elles reproduisent leurs échecs en boucle. Par exemple, si une machine instaure une dictature, seulement pour la voir s'effondrer, elle ne tente pas de former un autre type de gouvernement. Non, elle essaye à une nouvelle dictature. Si ses plantations dépérissent, elle refait exactement les mêmes gestes.
encore et encore et encore. Elles reproduisent systématiquement les mêmes comportements. Elles sont incapables d'apprendre. Pourtant, au combat, les machines ont démontré leur formidable capacité d'adaptation et d'évolution. Alors pourquoi s'acharner à essayer d'imiter l'humanité? Et plus précisément, pourquoi reproduire ces échecs? On pourrait presque en conclure que l'échec, c'est justement l'objectif. Je sens comme une altération dans les données, une sorte de mouvement. Je me concentre et je retiens mon souffle. Un son, une voix dans le lointain. Je veux... Ah non. Tous les androïdes. Il y a quelque chose par là-bas. Une entité à l'évidence intelligente. C'est quoi ça? Elle parle. C'est dommage parce que comme on voit de si près en fait on n'a pas vraiment l'impression de gigantisme qu'il essaye de faire. Je veux me lancer à tous les androïdes. Les mots se font de plus en plus distincts dans mon esprit. La voix résonne avec plus de force. C'est Adam, la machine créée à l'image d'un homme. Nous autres formes de vie mécanique avons évolué, déclare-t-il. Nous avons fait la guerre, nous avons appris, nous avons progressé. Et ainsi nous avons accédé à une conscience nouvelle. En vérité, l'on peut dire qu'une nouvelle forme de vie a vu le jour. Des mensonges, ces vulgaires machines ne savent que mentir. Adam s'esclave. Pourtant, vous autres les androïdes, vous affirmez bien être vivants, non? Comme c'est curieux, vous n'êtes que des pantins privés même de volonté propre. Non, c'est faux. Ces mots me transpercent, comme si on les vrillait dans mes tympans. Et où est donc l'erreur, gamin? Je suis, nous sommes. Au fond, tu n'es peut-être pas dépourvu de volonté, Mackenzie. Peut-être même éprouves-tu du désir. Ah, tu vois enfin la lumière, le véritable sens de la vie, c'est la haine. C'est fou. Une haine vicieuse et lovée au plus profond de ton cœur. C'est fou. Plus tu cherches à les étouffer, plus ces ténèbres s'épanouissent. C'est faux. 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 Archifaux. Être vivant est esclave de ses désirs, ses appétits. Voilà ce qui donne un sens à nos existences. Certains sont en quête de beauté, d'autres de sérénité. Pour moi, c'est la haine qui... Moi, je suis différent. Et bien sûr. Tu n'as confiance en rien. Tu veux tout détruire. Tu as perdu tout espoir. Tu veux tout obtenir. Tu veux être aimé de tous. Tu es en train de penser à quel point tu aimerais. Moi j'y ai pensé, je l'avoue. Tes mensonges chouent la réalité. Arrête, arrête ça! La haine te consume. C'est faux, putain. Le désir te submerge. Je ne suis pas tout comme toi. Voilà qui tu es vraiment. にとっての宝物は美しさでした。そして
En fait, ça, ce passage où tu la vois le tuer, j'aurais aimé que ce soit la run B. Que en run A, en fait, on est 9S entre guillemets. Et qu'on en apprenne plus avec Toubi. On a quasiment fini la run B. Auto-piratage. On dirait le menu de la PS4. ようやく全部のチェックが終わった。データオーバーホールとかやりすぎだよ。機体内 警告。データ同期は全ルーハ機体の義務工程。不明瞭なノイズがあったからね。2Bのデータ同期プロセスも一旦保留しておいて。了解。万全を期するためにデータノイズの原因を探す。サーバーへのポートを開いて。 調べるのは無理だな。重要なポイントに絞って調べよう。 どうして防壁がこんなところに。これは月面への資材搬入記録か。でも変だな。空のコンテナがやたらある。なんでこんな無意味なことしてるんだろう。検出。 夜破機体保管記録。 1S stockage 2B. Pourquoi elle est dans un stockage? こんなに厳重に防御する意味って何だろう。 ブラックボックスに関する情報だけ 全部潰されてる。
新しいポートが開いた。検出人類会議および夜波計画記録インデックス警告、当該データへのアクセスは許可されていない。変なデータが多すぎる。このデータも調べないとダメだ。C'est quoi ce piratage? Même tout bien, elle est mieux. Est strictement confidentiel au niveau d'accréditation S. Il est donc interdit au personnel de Yora à l'exception du commandant de la base. Unité Yora, système de combat Yora, administration de la base, chef de commandement, département de conseil d'humanité, accès dérobé, unité de soutien, boîte noire, réseau de communication. Et du coup, on peut y accéder ? このデータ、夜波計画の中に人類会議策定の見出しが入ってる。これじゃ順番が逆。かつての戦いと冒険を経て、預言者は言う。ああ、大地の慈悲を。ああ、天上の喜びを。鉄の組織から解き放たれ、私たちの魂は。サーバー切断、ボディユニット起動。了解。